Alors, nous allons voir comment importer un objet CAO. Donc, vous allez sur l'onglet Modeleur, ajouter un objet CAO, vous cliquez sur la destination. Ici, je vais importer l'outil Ventouse, copier et insérer le fichier, importer comme un assemblage optimisé, on peut faire. On laisse standard. Et voici l'objet. A été importé. Donc ça, c'était un objet qui avait été fabriqué dans SRS. Maintenant, je vais vous montrer comment on importe un objet fabriqué avec SolidWorks. Donc on prend le point step qui nous convient. Convertir en VRML là, qui est un fichier pour Stobly et un assemblage optimisé. Ok. Et voici l'outil. Qu'on peut retourner par rapport à l'axe X 280 degrés. Et voilà nos deux outils qui ont été importés.